Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bonsoir. Alors, bienvenue à cette édition du journal de notre événementiel de la diaspora. Voilà, donc au sommaire aujourd'hui, comme d'habitude, ça va être des événements phares qui arrivent dans notre diaspora. Des événements qui vous feront bien bouger. Il y en a, c'est pas que des événements de la France. Les événements de la diaspora, donc, je le précise, c'est les événements des promoteurs qui m'ont envoyé leurs flyers. Alors moi, je ne prends pas la responsabilité de publier les flyers de ceux de n'importe qui. Donc, je préfère qu'on m'envoie le flyers et je le diffuse dans cette émission. Voilà. Si le flyer, si l'événement est validé, bien entendu. Donc, c'est ce que je fais, donc c'est ce que je vais vous présenter une fois encore ce soir. Et je tiens surtout à vous rappeler que tout à l'heure, il y a une deuxième émission tout à l'heure à 21h. On va parler un peu de l'affaire Dikolo, Dikolo au Cameroun à Douala, à Bali. Donc vous avez vu les expropriations qui se déroulent à Dikolo, à Bali en ce moment, en plein Douala. Voilà, donc on va parler de ça à 21h. Dans l'attendant, on va donc voir les événements à venir, qui promettent dans la diaspora. Donc, en attendant, nous allons passer une petite page de réclame, le temps de partager ce direct, et le temps pour vous de nous aider à partager ce direct. Alors, à tout de suite. La Reisha HBS Carré de Luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de plaisir. Les foulards Reisha HBS Carré de Luxe brillent, scintillent et illuminent les couleurs, douceur et légèreté en font une matière de foulard et écharpe les plus agréables à porter autant par les femmes que par les hommes. Made in France, 100% soie. Les foulards et écharpes HBS Carré de Luxe, la classe. Contact 0032 493 28 49 60. Ticket prévente 30 euros, vente 40 euros sur place. Le Carrefour Benguis, la référence. Je vous présente en exclusivité nos parrains Ben Ali, responsable d'infoculture, et pour Contier culturel dans la place. Isaac de Bruxelles, le roi 12-12 de Bruxelles, et pour Contier dans l'arbre. Lui, c'est le grand Edente, un homme d'affaires réputé. Elle se nomme Nidonides, l'influenceuse web. Elle s'est sidonnée de Charles Leroy, la boucantière, la responsable du salon de coiffure Paindor. Ou Madine Cachou, femme d'affaires responsable de NK by Nadine Cachou, lingerie et accessoires. Lui, c'est le grand Alain Kazar. C'est le propriétaire des résidences
résidence Hasard à Douala. Néo de Charleroi, patron du restaurant Les Sangas. Une référence gastronomique à Charleroi, un vrai brocantier. Du grand gars. Depuis la nuit des temps, l'espèce humaine a toujours été terrassée par des virus, des bactéries à l'origine de nombreuses maladies contractées par l'homme. Maladies du derme, maladies cardiaques, cancer, maladies osseuses, maladies génétiques, et en plus encore. Pour mettre KO ces mots cliniquement prouvés, la clinique naturelle du grand hangar va à l'épreuve de la nature et vous propose des solutions curatives à base des plantes naturelles. La clinique naturelle du grand hangar est située à Douala Bonabiri. Contact 672 27 39 35 676 12 97 99. Clinique naturelle du grand hangar. La nature n'a pas fini de nous livrer ses vertus. Ça y est, nous sommes de retour. Alors merci de nous avoir patienté ce laps de temps. Voilà, donc nous sommes là ce soir, je vous le rappelle, hein, pour vous rappeler, hein, ou vous signifier les événements qui vont faire bouger notre diaspora dans les jours, dans des semaines, dans des mois à venir. Voilà, donc nous allons commencer à voir ces événements dont vous voyez déjà les affiches qui sont en train de défiler. Alors, je vais déjà ralentir la cadence de ces affiches. Hein, comme ça, on va les décortiquer une par une, hein, pour ne pas se tromper. Alors, ralentissons déjà la cadence. Bon, on va mettre ça une minute. Voilà, on met ça à une minute. Voilà. Comme ça, ça nous laisse le temps de papoter, de mieux vous parler de ces événements. Alors là, on est en train de voir le week-end FIB. Alors là, tout de suite, c'est le week-end FIB. Voilà, donc ça se passera le week-end du 28 mai. Donc c'est dans deux semaines, très exactement. Donc avec, vous avez vu, il y a Ténor, il y a le Prince Kestam, il y a des groupes de danse. Hein, je vais mettre ça pour qu'on voit ça un peu mieux. Voilà, là on voit beaucoup mieux. Voilà, donc on voit, c'était qui? Tag et Kang, voilà, le groupe est Kang. Et Africa Loketo, voilà donc ce qui va constituer les prestations de ce week-end FIB. Donc la deuxième partie, hein, qui sera le Festival International Bantou, comme vous voyez sur l'affiche. Voilà, donc... de 20h à l'aube, le Festival International Bantou. Mais il y a un autre festival qui va se passer en journée, donc de midi à 18h. Voilà, donc ce sera le Festival International Bamileke. On reviendra dessus en détail. Alors là, vous avez là, ce week-end, hein, à Reims, avec Nathalie de Reims, qui vous présente Bendeka et Coquette Bizot. Hein, ça va se passer à Reims. Donc, la grande soirée chic et glamour. Voilà, donc le 21 mai. Ce week-end. Donc, préparez-vous à aller à Reims ce week-end, hein, pour soutenir notre jeune sœur Nathalie de Reims qui vous attend massivement. Alors, attendez, je vais faire
une petite bricole. Voilà, qui c'est qui m'appelle à cette heure-ci? Bon, laissez-moi 2 secondes. Non, je ne vais pas répondre. Bon, aussi. Allô? Tu vois? Bon. Ok. Alors, là, vous avez la prestigieuse nuit. Bon, je faisais quelque chose. Qu'est-ce que je faisais? Ouais. Ouais. Et voilà. Voilà ce que je faisais. Alors, là, la prestigieuse nuit du sport. Bon, la personne insiste. Alors, permettez-moi de répondre 2 secondes. Après, je vous reviens. Ah, regardez déjà les affiches qui... Ah, oui. D'accord, Yvette d'Orléans. Ben, il faut me l'envoyer sur ce numéro. Hein, c'est, ça fait WhatsApp aussi, je crois. Ou je vous enverrai le numéro direct de Diaspora TV. Comme ça, vous allez l'envoyer dessus. Et nous sommes en direct. Là, on te suit en direct. Voilà. Bon. Ok, ben, j'attendrai tout ça. Voilà, rappelez-moi ça vers 22h après les émissions, parce que j'ai une autre émission tout de suite après. Donc, rappelez-moi à 22h et je vous dirai comment faire pour me faire parvenir votre affiche. D'accord. Voilà, à tout à l'heure. À tout à l'heure, bon courage. Merci. Voilà, donc on était avec Yvette d'Orléans qui veut voir son affiche aussi apparaître dans cette émission. Voilà. Donc, elle m'appellera tout à l'heure. Donc, ça veut dire que dès la semaine prochaine, vous verrez son affiche aussi dans cette émission. Alors, nous sommes en train de suivre la nuit en blanc de Christian Dedi Djemba. Donc, ça va se passer à Paris-Nanterre. Hein, c'est quand déjà? Hein, c'est quoi la date? Bon, c'est déjà passé. Bon, on va revenir dessus tout à l'heure. Il n'y a pas de souci. Donc là, c'est la grande nuit du Cameroun à Madrid de Patrick Moukala. Donc, ça se passe le 9 juillet prochain. Et vous voyez, il y a notre icône André Maritala. Nous avons le Perturbateur Richard Amougou, nous avons le panafricaniste Junior Senghar, nous avons la révélation Lance Sinclair, nous avons la confirmation Nikos Nguilanyama. Voilà, donc une soirée 100% live à Madrid. Voilà, donc, bon, il y a des messages dont je vais les lire juste après cette première partie, cette première retournée de ces événements. Donc, nous sommes à la soirée 100% live à Madrid. À la soirée de Patrick Moukala, dont je disais le 9 juillet prochain. Hein, donc, prévente 40 euros, porte 45 euros. Voilà. Alors, la prochaine affiche, voilà, c'est Paris Charity. Nous avons reçu sa promotrice dernièrement dans une de nos émissions. Voilà, donc, Élise Martin, oui, nous l'avons reçue. Donc, elle vous présente son gala de charité et de bienfaisance hein, à Paris le samedi 18 mai et 18 juin 2022. Donc vous avez le temps, pas tant que ça, hein, c'est le mois prochain, dans le 18 juin, à l'espace Chevreuil, à Paris-Nanterre. Hein, vous avez, il y a Petit Pays et les Sans Visa qui seront, hein, vous avez Olivier de Clovis hein, qui sera également, donc ça va être une très belle soirée. Qui sera présenté par... attends, je remets... Présenté par qui? Bon, je vois pas le maestro. Je vois pas bien, il faut mes lunettes. Donc, nous avons DJ Platine, DJ Eddie Mix. Voilà. Donc, le samedi 18 mai, donc c'est une soirée caritative hein, pour aider les personnes au Cameroun. Voilà. Alors, là, la princesse Foutoulaise hein, vous présente... La top succès gala, donc le 2 juillet prochain, à Hambourg. Alors, ça va se passer en Allemagne. Hambourg. Voilà, alors il y aura qui en prestation? Sergio Polo, Benji Mateke et Fotsing. Oui, bon, j'arrive pas à bien lire le nom. Ouais, c'est Dalia Fotsing, voilà. Dalia. Et il y a une autre, je crois, Destiny.
Voilà, donc vous avez quatre artistes, hein, dont deux ténors, Sergio Polo et Big Benji Mateke. Donc ça va être une très belle soirée que je ne vous conseille pas de rater. Ça va se passer à Hambourg. Alors, prévente 35 euros, entrée 40 euros. Voilà. Donc préparez-vous, ça va se passer en Allemagne le 2 juillet, hein, dans un mois à peu près. Alors là, vous avez le gala de la diaspora afro-antillaise. Alors, ça va se passer au Canada, à une soirée de Feka Royal, à la PDG. Donc, Kimu Production, hein, qui vous présente dans ce grand gala afro-antillaise, où vous allez voir Coco Argenté. Hein, pour ceux qui ne l'ont plus vu depuis, bah, allez au Canada. Hein, vous allez revoir la Coco Argentée nationale, ou plutôt internationale. Elle va aux États-Unis tout le temps. Elle est internationale maintenant. Voilà. Alors, donc, une soirée de Feka Royal. Donc, ça se passe en août, le 20 août 2022, le 20 août prochain, dans une soirée qui se passe à Montréal. Alors là, nous avons Junior Singa qui fait l'affiche de la soirée camerounaise du Sud. Samedi 21 mai 2022, hein, présenté par Armand Jameau à 20h. C'est M. Julie la Tigresse, hein, dans une soirée SDPM et Qu'est-ce qu'il est prod présente dans cette soirée. Hein, ça se passe à l'espace Moulin Vedel. 14 rue Moulin, Vedel, à Nîmes. Voilà. Donc, oui, DJ Kiss Killer qui va mixer cet événement. C'est son événement. Donc, il sera sur les platines. Et voilà. Il y a Horacio Peralta, hein, qui va aussi prester. Bon, j'imagine ce qui chante, hein, hein, Horacio Peralta. Mais il y aura Junior Singa, le panafricaniste, donc ça va être chaud. Alors là, vous avez une soirée avec Roga Roga, le Congolais Roga Roga, Bwenge Musica. Qu'est-ce que je raconte? Esra Musica. Roga Roga, donc, il sera en Belgique. Une soirée organisée par organisée par le Carrefour Mbengiste, hein, avec sa représentante qu'on va recevoir lundi prochain au journal de 20h de la diaspora. Elle viendra vous parler de cet événement qui va faire bouger toute la Belgique. Hein. Vous savez, Roga Roga, vous savez, quand il est dans une salle, c'est le feu assuré. Donc, Roga Roga avec Bokoko, ça va se passer le 4 juin. Donc, c'est dans 3 semaines à peu près. Voilà. Alors là, nous revenons sur le week-end FIB, dont je vous disais tout à l'heure. Hein, là, ça, c'est la deuxième partie, le Festival International Bantou, qui se passera de 20h à l'aube. Il y a une première partie qui sera de 18h à 20h, le Festival International Bamileke. Vous aurez plein de choses au programme. Hein, vous aurez du folklore, vous aurez de la bouffe Bamileke que vous allez déguster, hein, en dégustation. Vous aurez du folklore, des danses Bamileke, tout ça. Vous aurez plein de choses que vous allez vivre pendant cette première partie. En attendant la deuxième partie, en soirée où il y aura des stars comme Ténon, hein, qui y sera. Il sera là pour vous mettre le show jusqu'à l'aube. Donc ne ratez pas cet événement, ça va se passer le 28 mai prochain, donc dans 2 semaines exactement. Donc ne ratez pas, hein, d'une soirée organisée par la déesse de l'Ouest. Voilà, à l'étoile de l'Ouest, je voulais dire. Donc voilà, donc on revient avec la soirée de notre sœur Nathalie de Reims à Reims, hein, ce week-end. Voilà, donc on a fait le tour, hein, le temps pour moi de lire quelques messages avant de continuer. Voilà, il y a déjà quelques messages, quelques réactions. Bon, les gars, partagez. Alors, ta crise cardiaque, bonsoir, ta crise cardiaque, bonsoir à ton équipe. Voilà, Bébé Laure Simon, bonjour grand, bonjour Bébé Laure, je ne vois pas mon affiche.
Eh bah, ton affiche, il va pas arriver à l'émission seule. Hein, ton affiche ne peut pas arriver seule à l'émission. Il faut l'envoyer à la direction de Diaspocamp TV. Il n'y a que comme ça qu'on pourrait la voir et peut-être la diffuser. Voilà. Alors, sur quels critères vous publiez les affiches? Voilà, envoyez juste l'affiche. Hein, si elle rentre dans nos critères, que je ne vais pas citer ici, on va la publier, mais il y a de fortes chances que je la publie. Donc, envoyez-la à la direction de Diaspocamp TV. Alors, je crois que c'est Bébé Laure peut-être qui m'a appelé tout à l'heure, hein, de Orléans. Voilà, peut-être. Alors, Bébé Laure, bonsoir. Je suis membre de l'association La Main sur le Cœur, la MACO, et nous aimerions que notre affiche passe également dans votre émission. Voilà, donc je vous ai dit quoi faire. Si c'est vous qui m'avez appelé tout à l'heure, bah, vous allez certainement me rappeler et nous allons voir ça ensemble. Alors, Alors, Cindy Chinda, coucou Cindy, salut. Louise Cotta, coucou à vous, coucou Louise. Donc, c'est chaud dans la diaspora, c'est moi. Ah oui, oui, oui. Dans la diaspora, il y a toujours la fête, ça c'est, ça manque pas. Tous les week-ends, il y a une fête quelque part. Alors, Félix Mona, salut Eugène Eddy Montonnet. Il n'est pas là aujourd'hui, Eugène Eddy Montonnet. En tout cas, je ne l'ai pas senti en direct. Samadé Baldé qui nous regarde, coucou Samané. Dupont, Claude Dupont. Alors ça, c'est Lise. C'est Lise, je voulais présenter tout à l'heure. C'est elle qui a la soirée. On a vu sa soirée tout à l'heure, hein, qui se passe en juin, le 18 juin. À Paris-Nanterre, hein, le gala de charité. Alors on va revoir l'affiche tout à l'heure. Coucou, dis bonsoir, bonsoir, bonsoir. C'est gentil d'être connecté, c'est gentil de nous suivre. Donc on a déjà passé ton affiche tout à l'heure, on va la repasser d'un moment à l'autre. Voilà. Donc je viens de lire ces quelques réactions qu'on a. Alors Fika Royal qui nous fait... chouette, du doigt. Merci Féca Royal. Donc évidemment, on a vu aussi son événement tout à l'heure, hein, qui se passera à Montréal là, bientôt. Voilà, donc ça va être. Les foulards et écharpes HBS carré de luxe peuvent être portés en toute saison avec toujours une extrême sensation de. Voilà, donc petit bug. Alors. Là, nous sommes sur la grande nuit du Cameroun à Madrid de Patrick Moukala, dont on l'a vu tout à l'heure. Alors, nous avons Nikos Ngilanyama qui sera l'homme Sinclair, qui sera Junior Senga, Richard Amougou, André Maritala, dans le 9 juillet prochain à Madrid. Donc, vous voyez, je vous ai dit tout à l'heure, c'est le journal des événements de la diaspora. Voilà, donc là, vous avez Madrid. Là, tout à l'heure, on a vu Hambourg. Là, nous avons, voilà, justement, là, l'événement de Élise Martin, juste devant nous. Hein, elle est là, c'est elle, Dupont, Claudia Dupont. Voilà, donc, c'est son événement. Le gala de charité de bienfaisance. Donc, ça va se passer à l'espace Chevreuil, samedi 18 mai. Voilà, dans le petit pays qui va faire le déplacement du Cameroun, avec Olivier de Clovis qui va vous émerveiller avec la SICO. Hein, voilà, donc l'entrée à 30 euros. À la porte, 35 euros. Voilà, donc c'est un gala de bienfaisance, un gala de charité. Il faut y être. Hein, c'est pour aider une bonne cause au Cameroun. Voilà, nous l'avons reçu dernièrement dans notre émission, dans les experts de la diaspora. Donc vous pouvez voir ça sur notre page, sur notre chaîne YouTube. Elle vous explique tout ce qu'elle fait dans son association. Alors, et c'est pour ça qu'elle fait cet événement, justement. Donc, ne ratez pas son événement. Donc, le 18 juin prochain. Donc, c'est le mois prochain. Je crois la deuxième semaine du mois de juin. Donc, préparez-vous dès maintenant. Commencez déjà à l'appeler, hein, Élise. Comme ça, elle va vous rencarder, vous réserver vos places. Et pour ne pas rater cet événement. Voilà, avec Petit Pays, vous-même, vous savez, c'est l'ambiance assurée à 100%. Voilà, donc contactez Élise pour cimenter votre place pour le 18 juin prochain.
Voilà, donc là, nous avons Topless Gala, Top Success Gala, hein, le 2 juillet prochain à Hambourg. Voilà, là, c'est en Allemagne, vous voyez. Hein, on a vu à Madrid tout à l'heure, là, en Allemagne. Voilà, c'est la diaspora. C'est la diaspora camerounaise, en fait. Voilà, donc, je le disais tout à l'heure, ceux qui veulent faire publier leur affiche, vous contactez la direction de Diaspocam TV. Hein, il y a le numéro sur notre page. Justement, il y a notre soeur qui nous a appelé de Orléans tout à l'heure. Voilà, elle a dû trouver le numéro sur notre page. Voilà. Donc, et ça a sonné en direct. Hein, on a répondu en direct. Vous avez suivi. Hein, donc, ça, vous venez de comprendre que vous pouvez même nous joindre en direct pendant nos émissions. Ah, je vous reçois directement et je vous réponds en direct. Voilà. Le temps pour moi de vous rappeler qu'on a une émission. Vous voyez justement, ça défile à suivre ce soir à 21h, une édition spéciale pour vous parler de ce qui se passe à Dikolo, à Douala au Cameroun. Ah, beaucoup d'entre vous doivent déjà être au courant. Hein. Il y a eu expropriation des habitants de Dikolo. Ah, nous allons un peu parler, on va un peu déballer tout ça, hein, avec voilà, les renseignements, les vidéos, tout ce que j'ai eu, hein, on va balancer tout ça ce soir. Donc on va voir ça ensemble, comme ça pour que vous compreniez un peu, parce que moi je suis comme vous, je comprends pas encore grand chose, je sais seulement qu'on a mis tout le monde dans la rue, hein, pour construire un hôtel, voilà. Donc on va essayer de voir tout ça ensemble à 21h, donc juste après cette émission, nous allons attaquer tout ça. Voilà. Donc, on va continuer à voir nos événements. Alors là, nous avons Junior Singer, Julie la Tigresse, M. Julie de Montpellier. Nous avons Horacio Eralta, voilà, qui vous attend le samedi 21 mai. Donc, c'est le week-end prochain également, samedi prochain. Donc, ça se passe à l'Espace Moulin à Nîmes. L'Espace Moulin Vedel. Anime dans une soirée organisée par mon DJ, le DJ principal des prix Diaspocam, DJ Kiss Killer. Alors là, nous avons Roga Roga, Bococo, qui vous attend en Belgique. Dans 3 semaines, le 4 juin, à 20h, à Carrefour Benguist, en Belgique. Ne ratez pas, ça va être le feu là-bas. Bococo, ça va chauffer, ça va... Donc ne ratez pas cet événement. Donc ça va se passer à la salle du Palais des Beaux Places du Manège. Donc à Charleroi en Belgique. Donc ne ratez pas, hein, dans une soirée organisée par le Carrefour des Benguistes en Belgique, hein, à Charleroi. Donc l'entrée en prévente 30 euros, à la porte 40 euros. Voilà. Donc prenez la prévente, hein, ça fait quand même une différence de 10 euros, ce n'est pas rien. Donc, si j'ai un conseil à vous donner, prenez vos préventes. 30 euros, vous aurez 10 euros de gagné quand même. Hein. C'est pas rien du tout, donc faites-le. Alors, nous avons l'événement le week-end de FIB, hein, avec l'étoile de l'Ouest, hein, où Ténor vous attend. Hein. Il a promis de faire un show inédit. On doit le recevoir d'ailleurs la semaine prochaine. Normalement, hein, quelques jours avant l'événement. Donc c'est samedi, pas ce samedi, mais la semaine d'après, samedi à Paris. Hein, ça va se passer à Aqua Boulevard. Tout le monde connaît Aqua Boulevard, cette belle salle, hein, où tout le monde, pratiquement tout le monde y va pour plonger. Hein, pour plonger un coup. Et en été, il fera beau en plus. Donc peut-être qu'il faudra demander à la promotrice, peut-être que certains pourront piquer une tête là-bas. En attendant, Ténor le soir. Alors, vous savez, l'événement se passe en deux parties, dont il y a le matin et le soir. Alors là, nous avons cet événement, hein, où je vous invite nombreux à aller. Alors, ça se passe à Reims ce week-end, le samedi 21 mai. Hein, donc ça se passe à Reims avec Ben Deka. Hein, il y sera. Hein, Ben Deka dans la salle des régates de Moïse. Avec Coquette Bizo et Ben Deka, hein. Donc, la grande soirée chic et glamour, organisée par Nathalie de Reims, hein, qui est à son coup d'essai. Donc, allez l'encourager.
Ah, j'y serai d'ailleurs. Bon, il faut y aller. Ça va se passer ce week-end à Reims. Voilà. Ah, donc, passe à 25 euros. Il n'y a pas de prévente. Mais vous pouvez toujours l'appeler à l'avance et prendre vos places. Ah, ça va la libérer pour mieux vous préparer cette soirée à la veille de son événement. Ah, si vous attendez la dernière minute pour l'appeler, pour avoir vos places, ben vous allez la fatiguer le jour de son événement. Donc, faites-le dès maintenant ou attendez le jour même devant la porte. Voilà. Alors, la prestigieuse nuit du sport, une soirée très attendue également, hein, dans la place parisienne, hein, donc avec Eugène Eddy Montournet, hein, donc, qui vous attend le samedi 26 novembre 2022. Hein, donc, ça va se passer à Noisy-le-Sec. Voilà, Noisy-le-Sec. Voilà. À l'espace Noisy-le-Sec. Donc, il y aura tous les grands noms du sport seront là. Voilà, donc c'est un événement à ne pas rater. Donc, le 26 novembre 2022, à 20h, vous aurez bientôt la fiche définitive où vous verrez les artistes qui vont prester à cet événement, vous verrez l'équipe de cet événement et tous ceux qui vont un peu mettre la main à la pâte pour cet événement. Donc, vous aurez la fiche définitive d'ici la fin de ce week-end, certainement. Voilà, donc Eugène Eddy Montournet vous attend déjà. Donc, rapprochez-vous dès maintenant de lui. Alors, Nuit en blanc de Christian Dedi Djemba avec Nadia Iwande, Expo de Benz, X Malia. Ça se passe à Paris-Nanterre le 16 juillet prochain. Voilà. Le 16 juillet prochain, prévente 35 euros, à l'entrée 40 euros. Dans une soirée de Christian Dedi Djemba avec DJ Magellan, DJ Baraté au platine. Donc ça va y aller. Voilà, donc soyez présents. Contactez déjà Monsieur Djemba, hein, de la Cosen Co-Production. Ah, il va vous guider, il va vous dire quoi faire pour avoir déjà vos sésames. Donc c'est le 16 juillet, ça va très vite. Hein. Nous sommes déjà en mai. Voilà, juin qui se profile. Et après, c'est juillet. Donc, ne vous dites pas, j'ai le temps. Je vais réserver après. Non, faites-le maintenant. Il n'y a pas le temps. Voilà. Donc, vous avez vu, nous sommes revenus à Madrid. Ah ouais, voilà des événements que j'ai oubliés. Hein. Le festival, le FIRBA, Festival International Roots and Beauty Africa. Hein, ça se passe au Cameroun. Ah, bon, on reviendra dessus. C'est déjà passé. Bon, là, il y a Roga encore. Donc, voilà, l'affiche, on l'a vu tout à l'heure. Roga, la nuit de l'élégance, Carrefour Benguiste. Voilà, le week-end FIB. Ah, ça aussi, on l'a vu tout à l'heure avec l'affiche. Normal, hein, là, c'est l'affiche carrée. Ah, vous avez vu l'affiche tout à l'heure. Donc là, on revient le week-end, le Festival International Roots and Beauty Africa. Bienvenue au Festival International. Voilà, donc, ça, j'avais oublié. Donc, on a vu ça aussi. Donc, on a un peu refait le tour. Hein, donc, on va un peu tchatcher deux secondes. On va discuter deux minutes. Alors, je lis quelques messages avant. Alors, Élise Martin, merci infiniment Diaspocam TV. Mais je t'en prie, Élise, c'est un plaisir pour moi de savoir que tu es connecté, tu nous suis. Donc, voilà, c'est tout à fait normal. Ton événement, ça va être... ça va être bien. Hein. C'est voilà, on s'y prépare déjà. Hein. Déjà l'équipe Diaspocam y sera. Et j'espère que ceux qui nous suivent ce soir vont y adhérer aussi, vous appeler et réserver leur place. Donc c'est le 18 juin. Hein, ça passe très vite. Hein. Ne vous dites pas que vous avez le temps. Il y a pas le temps. Hein, voilà justement l'événement en question le 18 juin. Hein, dans le gala de charité de bienfaisance à hein, Paris Charity. Hein, qui présente cet événement, donc Élise Martin, avec Petit Pays qui fera le déplacement du Cameroun, Olivier de Clovis qui sera là également. Je vois un autre groupe là, j'ai pas bien vu. Bon. Voilà, donc, elle vous attend Élise Martin, ne ratez pas son événement le 18 juin. Voilà, donc, Top Success Gala à Hambourg, en Allemagne. Voilà, donc vous voyez, nous avons fait le tour. Donc, je vous le disais tout à l'heure, hein, nous voyons en intitulé là, en dessous. Hein, nous aurons
Nous aurons une deuxième émission tout à l'heure, ce soir à 21h, une édition spéciale hein, où on va un peu décortiquer ce qui se passe à Dikolo, à Douala au Cameroun. Hein, dont je vous le disais tout à l'heure, je suis comme vous, j'en sais pas plus. Mais avec les éléments que j'ai eus, nous allons essayer de comprendre ce qui se passe ensemble ce soir, dès 21h. Donc ce sera une autre émission, hein. On ne sera pas sur ce plateau, on sera sur un autre plateau hein, pour vous parler, pour qu'on comprenne ce qui se passe à Dikolo, pourquoi les gens se retrouvent dans la rue comme ça, sans abri. Ils deviennent des sans-abri comme ça du jour au lendemain, des gens qui ont des titres fonciers, qui ont tout. On les jette dans la rue, on casse tout. Alors, ils deviennent des parias. Voilà, on va essayer de décortiquer tout ça dès 21h, dans une vingtaine de minutes. Donc, on va décortiquer tout ça ensemble. Donc, vous comprendrez que l'émission de ce soir... La Richard HBS Carré de Luxe brille, scintille et illumine. Voilà, donc vous allez comprendre que l'émission de ce soir n'arrivera pas jusqu'à 21h. Donc, on va arrêter l'émission 10 minutes avant. Ah, le temps pour moi de préparer l'autre émission très rapidement en 10 minutes. Et on va démarrer à 21h pour décortiquer tout ça, pour qu'on comprenne ce qui se passe à Dikolo exactement. Et peut-être même que je ne vous ferai pas comprendre exactement ce qui se passe à Dikolo, mais on va essayer avec les quelques éléments que j'ai eus. Donc, on va essayer de comprendre tout ça ensemble. Je vous le disais tout à l'heure, je suis comme vous. J'en sais pas plus. Donc, nous allons tout faire pour en savoir plus ensemble. Donc, ça va se passer dans quelques minutes à 21h. Toujours ici, ce sera pas ce direct. Hein, le direct sera coupé. Donc, ce sera une autre émission sur un autre plateau. Donc, quand on va quitter d'ici, ne partez pas. Donc, retournez juste sur notre page Diasporcam TV. Vous rafraîchissez votre page dès 21h. Et vous allez me voir sur l'autre plateau, hein. Comme ça, on va parler de Dikolo, ce qui se passe à Dikolo. Voilà, on verra ça ensemble. Vous verrez tout ce que j'ai, hein, les écrits, les témoignages, les voices. Il y aura tout. Moi, j'ai tout mis dedans, hein. Et peut-être même que je vais vous mettre même mon WhatsApp carrément, comme ça. comme ça, on va décortiquer mon WhatsApp ensemble. Comme ça, vous verrez tout ce que j'ai reçu sur ce qui se passe à Dikolo. Voilà. Donc, on verra tous ensemble dès 21h, comme ça, je sais qu'il y en a beaucoup, je le disais tout à l'heure, beaucoup, qui sont comme moi, qui ne savent pas ce qui se passe exactement. Ils ont juste entendu qu'on a jeté les gens dans la rue, à Douala, hein, des personnes qui ont le titre foncier, qui ont tout, mais qui se retrouvent dans la rue. Ça peut arriver à tout le monde là-bas. Voilà. Donc, il faut qu'on en parle pour qu'on comprenne très exactement ce qui se passe. Pourquoi c'est arrivé? Voilà. Donc, nous allons voir tout ça ensemble. Donc, il nous reste, grosso modo, une dizaine de minutes d'émission. Donc, le temps pour moi de vous représenter ces émissions qui vous attendent. Très prochainement, je vais d'abord lire quelques messages de Monsieur Ntepe Yaka Tepe. Bonsoir, Monsieur Ntepe. Qui me dit bonsoir? Hein, bonsoir. Monsieur Yaka, scotché pour l'émission de Sudikolo. Voilà. Il y a déjà un candidat qui attend l'émission Sudikolo qui veut en savoir plus, c'est comme moi, et je vous le rappelle pendant l'émission, ceux qui voudront intervenir pourront appeler sur le numéro de Diasporcam TV qui est sur notre page internet. Vous appelez et on vous aura en direct. Vous pourrez nous dire ce que vous pensez de ce qui se passe à Dikolo. Hein, les appels, bon, je sais pas si je peux les avoir sur WhatsApp. Bon, sur WhatsApp, c'est mon numéro habituel, hein, le numéro habituel. Mon numéro personnel sur WhatsApp, oui, vous m'appelez dessus. Pour ceux qui sont au pays, par exemple, vous pouvez appeler sur mon WhatsApp et on vous suivra en direct et vous me direz ce que vous savez sur ce qui se passe à Dikolo, à Douala au Cameroun. Voilà, donc, nous n'y sommes pas encore là, nous sommes pour parler des événements de notre diaspora. Alors, il y a Boris Becker et Lessa qui vient juste d'arriver. Il dit bonsoir encore. J'ai pas vu le bonsoir avant. Monsieur Boris Becker et Lessa. Voilà, bonsoir Boris en tout cas. Alors, on va refaire le tour. Donc là, vous voyez la soirée glamour. Non, on va commencer déjà par présenter les autres soirées. On va inverser tout ça. Bon, je vais ralentir la cadence ici. Ça passe un peu vite. Alors, on va mettre ça à 40 minutes.
En 40 secondes, je veux dire. Allez, vas-y. Alors, Festival International, le week-end FIB, avec le Festival International Bantou, où Ténor va se produire. Ténor, le Prince Lestam, le groupe Loketo, je ne sais plus quoi. Et d'autres artistes encore, hein, vous attendront. Donc, ça se passe le 28 mai, donc dans deux semaines, à Paris, à Croix Boulevard. Hein, donc, un festival qui se passera en deux parties. Donc, il y a la première partie de 18h à 20h et deuxième partie de 20h à l'aube. Donc, de 14h, plutôt de 14h à 18h. Donc, vous aurez le premier festival qui est le Festival International de Bamileke. Vous aurez plein de choses que vous allez voir. Alors là, il y a le FIRBA Festival International Roots and Beauty Africa. Alors, ça se passera au Cameroun. Bienvenue au Festival International Vitrine du label Made in Africa. Voilà, donc le 22 et 23 décembre 2022 à Yaoundé. Voilà, c'est organisé par l'une de nos consoeurs aux États-Unis, hein, SM Fashion House, donc, qui vous présente ce festival, le FIRBA. Voilà, donc vous pouvez vous rapprocher d'elle, hein, c'est Sylvie Dan des États-Unis. Alors vous vous rapprochez d'elle et elle vous dira ce qu'il en est. Elle vous dira comment faire pour aller au Cameroun sur son festival. Voilà, alors là, nous avons Roga Roga qui vous attend en Belgique, à Charleroi en Belgique. Donc, ça va être le feu là-bas. Donc, organisé par Carrefour des Benguistes, dont la nuit de l'élégance, le samedi 4 juin 2022. Donc, les préventes à 30 euros, à la porte 40 euros. Hein, donc, Roga Roga avec Bokoko. Ça va être le feu. Donc, ne ratez pas cet événement. Le samedi 4 juin, vous l'avez vu en publicité tout à l'heure. Hein? Rien que la publicité, ça donne envie d'y aller. Alors là, on revient au week-end FIB. Voilà, donc on va voir les autres affiches. Alors, la nuit en blanc de Christian de DJ Mba, l'espace Chevreuil, je le disais tout à l'heure, dès 20h. Avec Nadia Iwande, Espo de Benz, X Malia. Ça va être le feu, une soirée à ne pas rater. Alors, prévente 35 euros, à la porte 40 euros. Au platine, DJ Magellan. Ah, la puissance de Paris, DJ Magellan. Avec DJ Baraté. Alors là, nous avons la grande nuit du Cameroun à Madrid de Patrick Moukala. Ah, le 9 juillet prochain, donc avec André Maritala, Richard Amougou, Junior Senga, Lom Sinclair, Nikos Ngilanyama, dans le 9 juillet prochain, une soirée 100% live, 40 euros en prévente, 45 à la porte. Voilà, dans une soirée de Patrick Moukala, donc qui vous attend très très massivement à Madrid. Hein, il est à sa 4e édition, quand même, c'est la 4e édition. Donc ne ratez pas cet événement, ça va se passer à Madrid, hein, la grande nuit du Cameroun à Madrid. Hein, vous avez vu son plateau, Richard Amougou, André Maritala, Junior Senga, Lom Sinclair, Nikos Ngilanyama. Ce n'est pas rien, quand même, en live. Voilà, donc allez-y. Il vous attend, il sait recevoir. Vous ne serez pas dessus. Alors nous avons le gala de charité de bienfaisance de Élise Martin qui est en direct avec nous. Voilà, donc je remets plus. Elle aurait pu nous appeler pour nous en dire plus en direct sur son événement. Donc, Élise Martin, si vous êtes toujours en direct, vous pouvez nous appeler en direct. Hein, vous aurez la parole, l'occasion de dire à ceux qui nous suivent, leur dire qu'ils peuvent venir, qu'ils peuvent vous appeler pour commander leur billet. Voilà, ça se passe le 18 juin, c'est le mois prochain, c'est plus loin. Donc, vous m'appelez ici, hein, et hop. Vous allez la motiver vous-même en direct de vive voix. Ça peut toujours encourager quelques-uns. Hein. Alors là, nous avons l'Azurène NKS qui est connectée. Bonsoir Franck, très beau décor. Merci, merci l'Azurène. Donc je disais tout à l'heure, après cette émission, il y a une deuxième émission qui va commencer à 21h dans quelques minutes. Où on va expliquer très exactement ce qui se passe à Dikolo, à Douala au Cameroun. Donc, on va essayer de vous expliquer parce que je suis comme vous. J'en sais pas plus, mais j'ai des éléments, beaucoup d'éléments qui m'ont été envoyés, tout le temps. Donc, je vais décortiquer ces éléments avec vous pour qu'on puisse comprendre ensemble ce qui se passe à Dikolo,
Vous avez vu plein de familles qui se retrouvent dans la rue, qui sont expropriées, qui sont jetées dans la rue comme ça, qui n'ont même plus. Vous savez, il pleut beaucoup à Douala en ce moment. Donc, ça veut dire que tous les effets qui sont dehors sont dans la boue. Voilà. Donc, on va un peu comprendre comment on peut jeter des gens comme ça, qui ont des titres fonciers, comment on peut les jeter dans la rue. Comme ça, du jour au lendemain, ils n'ont plus de maison, ils n'ont plus rien. Et peut-être même pas indemnisé. Hein, parce que si on vous indemnise, on vous donne des miettes qui peuvent même pas acheter, même pas construire une hutte, bah, ça sert à rien. Bah, vous êtes quand même dans la rue. Voilà, donc on va essayer de comprendre tout ça ensemble. J'ai des éléments. Hein, peut-être même que je vous mettrai même des WhatsApp, mon WhatsApp carrément, comme ça. On va lire tout ça voilà, directement. Voilà, donc ça va se passer dans quelques minutes. Hein, nous, on va finir cette émission dans 2 minutes à peu près. Voilà, donc la Zurène, c'est gentil de t'avoir là parmi nous. Je t'attends surtout pour la deuxième émission pour qu'on comprenne ensemble ce qui se passe à Douala. Alors, Dupont, Claudia Dupont, donc Élise Martin, super, voilà. Ok, donc nous tirons vers la fin de cette émission. Donc comme je vous ai dit, nous avons une deuxième émission à 21h pile, donc dans une cinquantaine, une dizaine de minutes. Voilà, donc on va décortiquer tout ce qui se passe à Dikolo, à Bali. Voilà. Donc là, nous voyons la soirée de Feka Royal à Montréal, hein, qui attend Coco Argenté. Donc ça va être le feu, Feka Royal, elle est connectée aussi. Donc allez-y, à Montréal, suivre son événement, hein, vous allez voir Coco Argenté. Alors là, nous avons Junior Senga, samedi 21 mai, dans ce week-end. La soirée camerounaise du Sud, à l'espace Moulin Vedel, à Nîmes. Il faut y aller, une soirée de DJ Kiss Killer. Voilà, avec M. Julie la Tigresse et Horacio Peralta. Ah, et bien sûr, Junior Senga, le panafricaniste. Donc, ça va être bien, à Nîmes, ce week-end. Donc, allez-y, n'oubliez pas. C'est une soirée de DJ de prix Diaspocam, donc Kiss Killer. Donc, lui, quand il prend les platines, il gâte tout. Ah, il retourne à la salle. Voilà, donc ne ratez pas à aller voir cet événement. Alors, je crois qu'on a fait tout le tour. On a vu tout le monde. Hein. Donc, l'occasion pour moi de vous dire à tout de suite. Hein, donc, ne partez pas. Hein, donc, je vais couper l'émission maintenant. Le temps pour moi, donc j'ai 10 minutes pour vous préparer la deuxième émission de ce soir. Hein, où on va parler donc de ce qui se passe à Dikolo. Alors, Élise Martin dit, Monsieur Bélé, j'ai pas le numéro. Ah oui, bon, oui, ben, je vous écris le numéro direct. Ou je vous donne le numéro, est-ce que je l'ai en tête même d'ailleurs. Ça, c'est une bonne question. Hein, mon propre numéro, je l'ai pas en tête. Alors, je vous donne le numéro. Diaspocam TV. Alors, Élise Martin, donc, c'est le 07 52. Non, n'appelez pas sur ce numéro-là parce que. Alors, appelez sur ce numéro 0 06 11 22 82 25. Voilà. Appelez sur ce numéro, je viens de vous l'envoyer en commentaire. Voilà, donc 06 11 22 82 25. Vous appelez dessus et voilà, je vous donne la parole en direct. Comme ça, on va vous écouter. On va écouter Élise Martin, hein, qui a la soirée de charité, de bienfaisance à Paris le 18 juin prochain avec Petit Pays. Donc elle va tout vous expliquer sur place. Alors, la patronne de CassiBoutique.com, bonsoir boss. Bonsoir boss Cassie. Hein, boss Cassie, la patronne de CassiBoutique.com, hein, les produits de beauté. Donc ne ratez pas, pour toutes celles qui veulent devenir belle nyanga à mort, vous tapez www.cassiboutique.com. Il y a tout ce qu'il vous faut pour devenir Nyanga le feu. Voilà. Alors, Élise, on va attendre Élise quelques minutes. Après le coup de fil de Élise, on va se séparer pour la deuxième émission. Alors, Élise qui dit, en tout cas, mes vives félicitations, bravo pour tout ce que vous faites pour la culture. Mais, je vous en prie, Élise. Tout le plaisir est pour moi. On fait ce qu'on peut pour maintenir notre culture dans
sur la bonne route, sur la bonne voie. Donc, on essaye. Alors, l'Assurance NKS prévoyait vos vacances du côté de Nice le 23 août. Alors, le 23 août à Nice, sous les tropiques, acte 2, barbecue géant. Eh bien, voilà, c'est annoncé, barbecue géant de l'Assurance NKS, donc le 23 août à Nice. Voilà Élise qui appelle, nous allons la recevoir tout de suite. Allô? Oui, allô, bonsoir Monsieur Ebélé. Bonsoir Élise, comment allez-vous? Je vais très bien, merci et vous? Très bien, merci. C'est gentil d'appeler. Donc nous sommes en direct, alors dites-nous tout, dites à nos téléspectateurs, comment ça va se passer le 18 juin prochain? Le 18 juin prochain, ça serait du show, du live. Ah oui, avec Petit Pays. Je suis avec Nel préparé, ça serait un événement inédit. Ah oui, oui, le feu. Petit Pays, Olivier de Clovis. Petit Pays, Olivier de Clovis, Sadio B, la Tombola. Ah oui, oui, il y a pas mal de choses au programme. Venez massivement, tous nos invités partiront avec un cadeau. Ah, tous les invités auront un cadeau. Voilà. Eh bien, ne ratez pas cet événement. Hein. Il faut même que je retrouve. C'est un événement, surtout à ne pas rater. Hein. Ah oui, c'est clair, il faut que je retrouve l'affiche. Donc, vous avez vu l'affiche tout à l'heure. Donc, c'est le gala de charité. C'est le gala de charité du 18 juin prochain. Hein, donc, organisé par Élise Martin. Donc, c'est elle qui est en ligne avec nous. Donc, elle vous invite massivement. Un événement à ne pas rater. Elle dit ça va être le feu avec Petit Pays qui va faire le déplacement du Cameroun. Exactement, Petit Pays arrive bientôt dans quelques jours, la terre prochainement. Ah oui, donc ne ratez pas, donc vous voyez, c'est pas moi qui dis, hein, c'est la promotrice de l'événement qui vous prévient que ça va être du tonnerre. Donc ne ratez pas, parce que celui qui va rater cet événement, il a tout raté. Il n'aura pas de cadeau. Il n'aura pas de cadeau en plus. Ben voilà. Donc ne ratez pas cet événement, hein, Élise Martin qu'on a en ligne. Exactement. Voilà. En tout cas, je voulais aussi vous dire merci pour tout ce que vous faites pour notre culture. C'est très gentil. C'est vraiment très gentil à vous. Merci beaucoup, Élise. On vous reçoit bientôt encore. C'est une belle initiative. Merci. Donc, ne ratez pas de suivre la deuxième émission à 21h. Alors, mais là, c'est juste continuer tous les soirs maintenant. Voilà, ben voilà. Donc, on va parler. On va essayer de comprendre ce qui se passe à Douala, à Dikolo. Donc, voilà. Exactement. Voilà, donc merci beaucoup Élise. On se dit à tout à l'heure pour la deuxième émission. Merci, à tout à l'heure. C'est bon, à tout à l'heure. Bye bye. Merci, au revoir. Alors voilà, donc vous avez eu Élise de Martin en direct. Hein, donc il vous donne rendez-vous hein, le 18 juin prochain à Paris hein, pour son événement à Paris-Nanterre, Espace Chevoy. Donc ça va être le feu avec Petit Pays, Olivier de Clovis et d'autres artistes encore. Alors nous allons lire ces derniers messages puis nous allons conclure cette émission. Ah, il ne nous reste que 5 minutes, donc je vais préparer la deuxième émission en 5 minutes. Et bien ça va être un challenge. Alors, l'Azurène, ouais, qui dit le 13 août, donc. Donc le 13 août, donc l'Azurène vous attend à Nice pour un barbecue géant. Alors, Palmer, David... Membre, bon, je ne sais pas ce qu'il a envoyé. Alors, Cassie, vive la culture camerounaise. Ben oui, Cassie Boutique. Ta crise cardiaque, super, Rabi. Alors, ta crise cardiaque et ton équipe, rendez-vous dans 4 petites minutes. Merci de nous avoir suivis. Donc, on se dit à très, très, très vite. À tout de suite, d'ailleurs. Hein. À tout de suite pour la deuxième partie de la soirée. Dans l'émission, on va parler de Dikolo. On va tout décortiquer sur Dikolo. À tout de suite. Bye bye.